Bonsoir à tous. De Clémenceau, on se souvient du Père La Victoire, l'auteur du traité de Versailles signant l'armistice et donc la fin de la Première Guerre mondiale. On se souvient du Tigre, lorsqu'il fut ministre de l'Intérieur, premier flic de France. C'est d'ailleurs sous son règne que cette expression est née et elle a toujours cours aujourd'hui. On connaît aussi ses mots d'esprit et ses formules assassines envers ses contemporains politiques qui lui ont valu pas mal d'ennemis. On connaît moins le Clémenceau côté cœur. Et c'est à cette découverte que nous invite aujourd'hui Nathalie Saint-Cricq dans ce formidable livre « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir ». Nathalie Saint-Cricq, chef du service politique de France 2, ses analyses fines et redoutées de nos politiques sont aussi célèbres que son carré. J'accueille Nathalie Saint-Cricq. Bonjour et merci. Alors là, j'ai un peu de mal à voir là-haut à cause des projecteurs, mais je vais imaginer ou alors en virer mes lunettes. On va voir en cours de route. Mais c'est plein. Tout le monde est là pour vous accueillir et puis pour qu'on parle un petit peu effectivement de cet autre Clémenceau. On va parler d'amour en fait pendant une petite heure ensemble. Parce que si beaucoup de biographies ont été consacrées à Clémenceau, dont celle de Jean-Noël Jeannelet qui vous précédait à cette place il y a encore quelques minutes et dont l'aïeul fut un proche de Clémenceau, c'est une toute autre chose que vous nous offrez avec ce livre. Je vous aiderai à vivre et vous m'aiderez à mourir. Qu'est-ce que ce livre, qu'est-ce que ce pacte, cette phrase, et comment est née cette envie d'écrire ce livre? Alors, pour commencer, j'avais une sorte de passion secrète pour Clémenceau. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'a priori, il était plutôt misogyne, plutôt bougon. C'est vrai, on en parlera. Plutôt insupportable, mais il avait un talent qui, pour moi, était incroyable. Il avait été assez prémonitoire, c'est-à-dire sur un certain nombre de sujets, il avait pris ce qu'on appelle, c'est très à la mode, c'est formule aujourd'hui, de dire penser contre son temps, sur les colonisations, sur les civilisations, sur Dreyfus, sur la peine de mort. Il a même été un fondateur de la SPA, qui ne s'appelait pas la SPA à l'époque. Ouais. Et j'ai voulu revenir sur son personnage, et en lisant les biographies de gens très sérieux, je me suis rendu compte qu'il y avait deux lignes à la fin. Genre, à 82 ans, il rencontre une femme qui a 40 ans, il en tombe amoureux, il lui écrit 700 lettres, et il écrit une biographie de Démosthène. Je me dis, c'est quand même surprenant, 80-40 ans, enfin, ça se fait, 700 lettres. Et je me dis, c'est un drôle d'homme quand même qui, même après avoir vécu sa vie, il faut voir ce que c'est, en plus 80 ans de l'époque, se décide de revivre. C'est pour ça qu'il rentre bien dans le cadre de la thématique de ces rencontres. Et c'est quelqu'un qui, du jour au lendemain, se trouve toujours des objectifs, se trouve toujours des choses à faire, décide de se pencher, de faire de l'horticulture, de cultiver son jardin, pas au sens figuré, qui va voyager, qui va en Inde, qui va en Égypte. Il manque de mourir à Calcutta, il dit, de toute façon, il faut bien mourir quelque part. On lui dit de faire attention, de dormir, de ne pas manger. Il se fout de tout ça, parce qu'il a décidé qu'il irait jusqu'au bout. En s'amusant, en s'intéressant. Imaginez, il a 83 ans et il commande une biographie de Nietzsche parce que ça l'intéresse. Après, il enquiquine un ami espagnol en lui demandant de lui trouver une traduction d'une histoire de l'Inquisition. Oui, moi, n'arrêtez pas. 83 ans, ouais. Plus une lettre par jour à Marguerite. À Marguerite. Plus des visites, telles qu'elle lui faisait en Vendée. Voilà, donc je trouve que c'est un personnage qui, qui donne de l'énergie et qui est quelqu'un de... Enfin, vous voyez, je ne suis pas normale quand j'en parle. Ah, ça nous change de ce que vous dites d'habitude, effectivement. Bah, écoutez, mais cela dit, je pense que Clémenceau n'aurait pas supporté notre époque. Et je pense que notre époque ne supporterait pas Clémenceau et qu'il resterait à peu près 3 secondes en poste. Parce qu'entre Twitter, Facebook et Cyril Hanouna, il serait obligé de démissionner. Au soir de sa vie, cette rencontre avec Marguerite Ballensperger, on reviendra sur la façon dont ils se rencontrent, c'est effectivement un regain, même s'il a de l'appétit de vivre, mais vraiment c'est une envie folle de revivre des émotions. Et Dieu sait s'il a eu pas mal de conquêtes, c'était un homme infâme. On lui prête 800 conquêtes, quelque chose comme ça. Le chiffre, ça c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas pu vérifier. Ah voilà, c'est ça. Mais l'amplitude... Il dit qu'il a commencé, quand il avait 7 ans, à tomber amoureux d'une petite paysanne vendéenne. Il précise qu'elle avait 18 ans, mais que quand il l'embrassait, ça ne posait aucun problème, cette différence d'âge.
Et il précise même, et ça c'est lui qui l'écrit, qu'il pratiquait ce qu'on appelait en Vendée le maréchinage, et dit-il, c'est un baiser fort appuyé avec la langue. Donc si vous voulez, c'est pas moi qui suis allée faire des recherches ni qui écrit des romans X, c'est juste que Clémenceau était connu pour être très beau, jeune. Hein. Alors, tout le monde connaît le vieux papier avec la moustache qui a l'air de râler tout le temps. Il était très soigné. Oui, élégant, coquet. Très élégant et très drôle. Ouais, oui. Ce qui, à mon avis, n'était pas pour rien dans le charme. Et donc, effectivement, 600 conquêtes. Mais il refusait de démentir. Il disait « Ma personne se prête souvent à beaucoup de fables. » Enfin, il était enchanté qu'on considère qu'il s'était une sorte de dragueur impénitent. Marguerite... Et d'amoureux, pas que de dragueur. Marguerite a 40 ans, elle travaille dans une maison d'édition. Elle vient le voir pour lui proposer d'écrire la biographie de Lincoln. Il lui fait cette réponse, Lincoln, je ne l'ai pas connu, ce sera Démosthène. Effectivement, ils se sont bien connus. Qui connaît beaucoup mieux. Oui, elle s'est mise à travailler. Parce qu'aujourd'hui, on dirait que c'est une femme qui est en dépression. Parce qu'elle a perdu sa fille dans des circonstances tragiques. Que je ne vais pas vous raconter, parce que si je vous les raconte... Je vous spoil ou je divulgage selon ce mot très gracieux parce que s'il y a des académiciens dans la salle, je vais me faire lyncher. Donc elle est triste, elle considère que sa vie est terminée. Elle a 40 ans. À l'époque, on considère que c'est déjà âgé. Dieu merci, on a un peu gratté quelque chose pour les femmes aujourd'hui. Et elle cherche à travailler pour se changer la tête, pour s'occuper. Et c'est pour ça que quand il rencontre Clémenceau, il y a ce pacte, parce que je vous ai mal répondu tout à l'heure. Le titre du livre, c'est pas un titre de moi, c'est une phrase de Clémenceau. Il lui dit, écoutez madame, vous êtes triste, je sens bien, parce qu'elle est en deuil quand elle va le voir. Elle lui raconte l'histoire et il la trouve fort à son goût. Et il lui dit, on va faire un pacte, je vous aiderai à vivre, c'est-à-dire à surmonter votre chagrin et votre douleur. Et vous m'aiderez à mourir parce que... Il est au soir de sa vie. Même si je n'en ai pas peur, de toute façon. Et c'est une obsession dans le couple, c'est qu'il lui dit sans arrêt, vous comptez en moi. Quand je compte en secondes, ce n'est pas la peur de vieillir, c'est l'idée qu'ils ont peu de temps ensemble. Et c'est quelque chose qui est assez tragique, parce que c'est quand même une obsession pour Clémenceau, qui disait, quand on est jeune, c'est pour toujours, et qui, à la fin de sa vie, dira quand même, je me demande si finalement la vieillesse n'est pas une idée, la vieillesse n'est pas quelque chose qui existe, parce qu'il aura à se battre, être draconien sur sa forme, c'est-à-dire faire de la gym jusqu'à... Trois mois avant sa mort, il meurt. Avec ce qu'on appelle un coach aujourd'hui. Oui, et puis attendez, il est diabétique, il fait 10 km par jour. Il ne veut pas que le corps lâche, parce que pour lui, le laisser-aller physique est le début du laisser-aller intellectuel ou moral. Et puis il veut lui plaire, et puis il veut plaire aux femmes. Et je ne sais même plus ce que vous m'aviez demandé, parce que quand je parle de Clémenceau, je ne suis pas très construite. Cette histoire, peu de choses les réunit. Au contraire, ils viennent d'horizons très différents. Qu'est-ce qui les rapproche finalement, à part le fait que lui, il la trouve très à son goût? Ils sentent qu'ils vont s'apporter l'un à l'autre? Alors, je réponds à ce que je viens de retrouver. Vous me parlez de Démosthène. Oui, s'il veut faire Démosthène, c'est parce qu'il considère que la vie de Démosthène, c'est la sienne. Évidemment, on n'est pas à la même époque, on n'est pas en Grèce, mais simplement, c'est un homme d'État qui s'est battu, qui a sauvé son pays et qu'on a rejeté, mis à l'écart après. Donc évidemment, s'il est mouton Démosthène, c'est parce qu'il peut parler de lui. Bon, voilà, on met ça de côté. Ils ne sont pas du même milieu, effectivement. Mais je pense que chacun y trouve son compte. Elle, parce que suite au drame familial, son mari passe sa vie à droite et à gauche à faire des conférences. Oui, parce que lui-même, le couple a été brisé parce qu'il leur est arrivé. Elle se retrouve dans les Vosges à élever ses enfants toute seule, c'est pas un drame du quart monde, elle a du personnel, elle a tout ça, mais elle s'ennuie alors que c'est une jeune femme assez joyeuse et émancipée, dirons-nous, qui aurait été capable de faire des études. Donc après, elle reprend un peu son travail d'éditeur, donc elle est fière d'être aimée par Clémenceau. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, c'est-à-dire après la guerre, Clémenceau, c'est... Oui, recevoir des lettres de Clémenceau, c'est une espèce de... C'est une star. Oui. Et c'est une star chez les gens modestes, et c'est une star chez les Alsaciens, comme c'est une famille qui est d'Alsace-Lorraine. Donc c'est une véritable référence, c'est un monument. Donc recevoir des lettres, être courtisé par quelqu'un comme Clémenceau, même s'il a sa grosse moustache et qu'il mange de la soupe à l'oignon à 5h du matin, ce qui laisse augurer que son haleine devait être un petit peu forte, ça doit quand même être quelque chose de bien. Et lui...
qui dit, qui confiera à une de ses amies, la comédienne Cécile Sorel, « Toute ma vie, j'ai été amoureux », le fait d'avoir un objet à son désir, puis un objet plutôt flatteur, c'est quelque chose qui le refait vivre. Alors, ce qui est marrant chez lui, c'est qu'il devient complètement ridicule quand elle doit venir le voir. C'est-à-dire cet homme qui est quand même arrivé en 17, au moment le pire, pendant la guerre, c'est au moment où il y avait eu la révolution russe, où il y avait les mutins, les gens qui ne voulaient plus de la guerre, où tout le monde considérait que c'était perdu, donc il y a quand même une certaine force de caractère. Il se noie dans un verre d'eau quand elle arrive. C'est-à-dire qu'il passe son temps à lui dire « Mais si vous prenez le train de 10h32, partez de chez vous à 10h moins le quart parce que s'il y a un embouteillage... » Il devient comme un gamin. Il regarde 20 fois si la voiture ne va pas tomber en panne. Il devient complètement... tellement il l'aime. Et si elle ne lui crie pas un jour, il l'engueule. Parce que c'est quand même un de ses principaux modes de fonctionnement d'engueuler les gens. Il râle beaucoup. Et en plus, en ergotant, et en lui disant, mais si vous m'aviez écrit le 24, j'aurais reçu le 25. Et si vous m'aviez écrit le 25, pourquoi m'auriez-vous dit le 26 que vous ne m'aviez pas écrit depuis 2 jours? Enfin, voilà, il devient une espèce d'épicier et de comptable des lettres envoyées. Mais il est aimé, on le désire, on le flatte, parce qu'il aimait bien être flatté. Et elle connaît une star de l'époque, mais au sens positif. Il lui écrit des choses magnifiques, parce que honnêtement, les lettres, ce n'est pas des trucs tartes du genre « Je vous trouve très belle, madame, et je vous aime profondément. » Il lui écrit « Depuis votre départ, il tombait de la neige morale sur ma modeste maison. » Depuis que vous êtes parti, le soleil n'est plus aussi chaud. Enfin, vraiment des choses qu'on aimerait bien recevoir. Oui. Moi, c'est un peu tard. Oui, voilà. Puis avec les SMS, je pense qu'il va falloir se faire l'idée que ça ne va pas venir. Mais il y a une espèce d'équilibre. Et il est vrai aussi qu'à la fin de la vie de Clémenceau, dans la dernière année, où il commence à être vraiment malade, elle le soutient. Je dirais que la relation évolue. C'est-à-dire qu'elle devient son amie plus qu'avant. Parce qu'avant, j'arrête après, parce qu'on s'était vu avant, j'avais promis de faire court. Il faut bien voir que ce n'est pas simplement une relation garde-malade, vieux monsieur. Ah non, pas du tout. Ou infirmière, vieux monsieur. C'est-à-dire que quand on regarde bien ce qu'il lui écrit, il dit « Je suis l'Etna, vous êtes la banquise ». Alors, je ne vais pas vous faire d'explication de texte. Quand il dit « Mon petit intérieur brûle comme une fournaise », on peut expliquer qu'il n'était pas simplement dévoré par une passion platonique. On peut aussi imaginer, enfin, on n'a pas imaginé d'ailleurs, j'en sais rien, jusqu'à quel point, jusqu'à comment, avec une femme qui était d'origine protestante, qui était veuve, et qui était... Elle n'était pas veuve, elle était veuve de sa fille. Pardon. Et qui était quelqu'un, une femme très réservée, enfin, en tout cas une femme bourgeoise de l'époque. Voilà, c'est ça. Mais ça n'est pas simplement... ça n'est pas simplement quelque chose de purement littéraire ou épistolaire. C'est ça. Ni purement amical. Parce qu'il y a une longue... Même si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, et j'ai franchement aucun moyen de pouvoir le savoir. Alors c'est très intéressant parce que vous le dites régulièrement, les points de vue divergent selon les lecteurs, effectivement, et donc chacun y trouvera l'explication qu'il veut. Parce que va s'en suivre une correspondance phénoménale, effectivement, vous le disiez, peu de moyens de communication à l'époque existaient. 600 lettres, ils vont s'échanger, s'écrire quasiment tous les jours. Il ne reste que les lettres de Clémenceau, celles auxquelles vous avez eu accès. Parce qu'elle lui a demandé, pour les raisons que vous venez d'expliquer, le qu'en dira-t-on, elle était toujours mariée avec son mari, même si les relations s'étaient distendues. Elle lui a demandé de brûler ses propres lettres, ce qu'il a fait, il a obtempéré. Et elle, par contre, a gardé les lettres de Clémenceau. Ça, c'est de cette base-là que vous êtes partie, et j'imagine sans peine le plaisir et la jubilation qui ont dû être les vôtres en lisant ces lettres. Il y a deux choses dans les lettres. D'abord, il y a des choses extrêmement élevées et élaborées qui sont un certain nombre de commentaires qu'il lui fait, qui sont de toute beauté. Mais comme quand il écrit à Monet, où il dit si vous trouvez qu'il manque du rose à la mer, je commanderai des crevettes pour vous. Si le bleu ne vous suffit pas, il y aura des perroquets. Enfin, des choses assez poétiques. Et puis, il y a d'autres trucs totalement où il l'engueule en lui disant...
Bon, alors vous n'avez pas eu le temps de m'écrire, c'était très intéressant que vous me disiez que vous faites des confitures, mais vous ferez mieux de faire autre chose. Il lui reproche des fautes de français. Ah bah, il lui reproche des fautes de français. Il corrige. Oui, ça, c'est fait il fait le prof. C'est-à-dire qu'il lui dit, ah, pas mal, il distribue des bons points. Et puis de temps en temps, il lui dit, mais qu'est-ce que c'est que vous m'avez envoyé des cartes postales comme, bah, je veux dire, genre, c'est ma vieille tante ou mon vieux cousin qui m'enverrait des cartes postales, mais. Pas, quand oui. On attend une lettre d'amour, si on reçoit c'est bon, autre baiser chose que de, j'attends de vous. Bon baiser de Saint-Dié, c'est pas extrêmement excitant. Donc il y a à la fois beaucoup de grandeur, plus des vacheries, c'est-à-dire qu'il essaie vraiment de la pousser à écrire. Et comme elle lui dit qu'elle n'a pas eu le temps parce qu'elle a vu des amis, je ne sais pas quoi, qu'elle s'est occupée de ses enfants, il lui dit, mais si Shakespeare avait vécu comme vous, il n'aurait jamais écrit Hamlet. Voilà, c'est quoi. Alors, ou alors, et chaque fois il la chope, elle dit, je vais venir en Vendée, j'ai besoin de me reposer, je suis fatiguée, et il lui dit, comment madame, si vous venez ici pour vous reposer, ce n'est pas la peine, moi j'enfante des tempêtes et des ouragans, les dieux se délectaient de nectar et d'ambroisie, vous me proposez de la panade et de la soupe aux choux. Voilà, ça donne envie de dire. Il y a cette espèce de gradation dans la façon dont il s'exprime, et comme les lettres sont quotidiennes, on voit bien ce qu'elle a pu écrire. C'est-à-dire qu'on peut reconstituer. C'est ça. Parce que ce sont des réponses. Voilà. Et en plus, comme j'ai eu la chance d'avoir la famille de Marguerite, qui a été extrêmement coopérative avec moi, donc les petits-enfants, qui se souvenaient de ce que leurs parents avaient dit, parce que Marguerite est morte en 36, donc ils ne pouvaient pas avoir de gens qui l'avaient connue directement, ils m'ont aidé, ils ont trouvé des archives, des photos, des souvenirs de ce qui avait été raconté. Ils ont quasiment, on a travaillé ensemble, et comme ça j'ai pu avoir plein d'éléments sur la personnalité de Marguerite, sur la personnalité de son mari. Donc j'avais une base familiale, il y a des photos, rien que les photos, et ça m'a beaucoup aidé à pouvoir imaginer comment elle se comportait, comment elle était. Et c'est comme ça qu'effectivement, puisque vous n'aviez pas les lettres écrites par Marguerite, vous avez décidé d'imaginer, d'écrire le journal de Marguerite, et c'est dans ce journal, émaillé d'ailleurs de citations propres de Clémenceau. Donc tout ce qui est en italique, on va dire, est écrit par Clémenceau. Comment vous vous êtes sentie dans la peau de Marguerite ? J'ai essayé de ne pas faire des projections de ce que je pouvais penser, moi, ou vivre, ou imaginer, parce que l'époque est totalement différente. Et ça aurait été un anachronisme absolu de lui voir des préoccupations. De ce que j'ai cru comprendre d'elle, elle était un peu féministe, mais pas plus que ça. Elle était, c'était une femme un peu renfermée, mais joyeuse par moments. Donc j'ai déjà fait très attention à essayer de me mettre dans sa vie, dans son milieu, dans sa religion. Et dans ce qui était une femme de ce milieu-là à l'époque, d'où les lettres brûlées, parce qu'elle est même, par moments, elle lui dit arrêtez de m'écrire, il y a des gens qui vont se demander, on a envie de lui dire, mais faut vivre, quoi. Bon. Autant que vous dites à un moment donné que les lettres paraissent avoir été lues. C'est-à-dire qu'il s'inquiète. Alors, Clémenceau, il a des réflexes d'ancien ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'il avait quelques obsessions, parce qu'il ne voulait surtout pas risquer d'être. Observé, mais pendant la guerre de 14, il y avait beaucoup d'espionnage des Allemands, donc ce n'est pas non plus un fantasme. Donc il ne prenait jamais de buvard pour mettre sur ses lettres, parce qu'il disait les buvards sont bavards, parce qu'on peut retrouver ce qui est écrit. Donc il mettait du sable, et de temps en temps, quand il voyait une lettre qui avait été ouverte, il disait oh là là, j'ai vu des traces de doigts. Et il faisait attention aussi, parce qu'il avait dit ses filles avaient 10 ans de plus que Marguerite, et elles étaient jalouses aussi, donc tout ça. Il se méfiait, puis je pense que ça avait un côté amusant de faire un peu les adolescents qui s'envoient des lettres à d'autres adresses. Voilà, ça devait de rendre les choses un peu plus excitantes, enfin romantiques en tout cas. Il la fera venir parce qu'il navigue entre son appartement de la rue Franklin, qui est aujourd'hui le musée Clémenceau, d'ailleurs, et la fondation Clémenceau. Qui est très très bien, enfin très très bien. Partant du principe que je dis toujours que tout ce qui touche à Clémenceau est très très bien, là pour le coup, si vous avez l'occasion d'y aller, on retrouve sa robe de chambre, ses chaussons, le lit dans lequel il est mort, son lit, sa plume, enfin c'est sa maison, sa brosse à dents. Donc je ne fais pas la vénération de Clémenceau au point d'aller contempler sa brosse à dents tous les matins, mais ce que je veux dire c'est que ça a été rafraîchi, mais exactement comme c'était à l'époque, c'est qu'on a vraiment l'impression de rentrer chez lui.
Donc voilà, j'ai fait la promotion de la maison de Clémenceau, ou à Saint-Vincent-sur-Jarre en Vendée. En Vendée, voilà. Ce site qui s'appelle Belle et Bas, mm-hmm. Très joli mot. Son château horizontal, disait-il, sa bicoque. Attendez, pour y être allé, c'est vraiment plus horizontal que château. Hein, parce qu'il y a 3 chambres de plein pied. Il y a eu l'électricité en 27. Il est mort en 29. Il a eu son premier frigo en 28. Pas de salle de bain. En 28, il dit, mais il est en extase devant le frigo. C'est le réfrigérateur, pardon, de la marque Electrolux. Parce que comme il a toujours trop chaud, il lui faut ses citronnades. Il y a des cabinets de toilettes, mais c'est-à-dire un bro, enfin, presque comme au 19e, un bro avec un écoulement d'eau avec une bassine en dessous. Quand les gens visitent cette maison, ils lui disent « Où est la salle de bain ?» Ils montrent la mer en disant « Elle est là. » Ah, la vue est formidable, c'est vrai. Sachant qu'ils ne se baignaient jamais dans la mer. Pas de toilette, sauf un tout petit cabinet. Enfin, excusez-moi de ces détails triviaux, on dirait je fais vraiment ma ménagère de plus de 50 ans dans tous les détails. Mais je trouve que c'est assez important pour voir comment on vivait à l'époque. Vous êtes allée d'ailleurs pour j'y suis allée plusieurs fois, oui. Et c'est très modeste. Mais il n'a jamais été propriétaire de rien. Oui. Jamais. On lui louait, on lui donnait la maison de Saint-Vincent et il donnait à la caisse de la ville pour les nécessiteux l'équivalent loyer de cette maison. Mais la maison, attendez, il y a 1, 2, 3, il y a 5 pièces, mais ça doit faire... C'est tout petit. Il a une espèce de petit, ce qu'il appelle son cabinet, son cabanon, une espèce de salon d'été, il y a du sable par terre, il y a de la bruyère, des bouquets de bruyère pour aller autour, et c'est tout, quoi, il n'y a rien. Il y a 2 vieilles chaises pourries, c'est très très... À Paris, il ne possédait pas non plus. Parce qu'il a tout perdu. Il a dilapidé son héritage, non pas dans les femmes, mais dans les journaux, oui. Puisqu'il était médecin, et journaliste, et politique. Et il écrivait sans arrêt des journaux qui, quelquefois, faisaient faillite. Il a eu beaucoup de journaux, d'ailleurs. Il faut se rappeler que c'était lui qui dirigeait l'Aurore au moment du fameux J'accuse de Zola. C'est d'ailleurs lui qui a trouvé le titre, J'accuse. Quand Zola arrive avec lettre au président de la République, ouais. Il lui dit... c'est pas vendeur. Il fait « J'accuse », parce qu'on raconte qu'il l'a fait comme ça. Mm. 300 000 exemplaires à l'époque, hein, avec des gens qui lisaient peut-être moins bien le français, qui étaient peut-être un peu plus analphabètes, mais 300 000. Quand on voit le tirage des journaux aujourd'hui, c'était incroyable, c'était énorme. Mm. Il a eu ce journal L'Homme Libre. Qui est devenu L'Homme Enchaîné. Voilà, puisqu'on l'a effectivement un peu censuré, mais il a trouvé comment détourner cette interdiction de publication. Il a... Oui, parce qu'il faut quand même voir. Pendant la guerre de 14, il préside 2 commissions au Sénat. Le Sénat était très puissant. Certains diraient qu'il l'est redevenu aussi beaucoup aujourd'hui. Il était à la présidence de la commission des affaires étrangères et celle de la guerre. Et le Parlement siégeait. C'est-à-dire que la guerre n'était pas une parenthèse pendant laquelle le travail parlementaire n'existait pas. Et il passait sa vie à se payer le gouvernement, à se payer Poincaré, qui était le président de la République et qu'il prenait pour un âne fini. Une de ses têtes de Turc. Hein. Il ne peut pas supporter Poincaré. Si vous voulez, il écrivait, en même temps que son travail de parlementaire, il écrivait dans un journal qui s'appelait donc L'Homme Libre, où il assassinait littéralement les décisions concernant la guerre, même les décisions sanitaires, en disant, mais attendez, les blessés au front, vous les ramenez dans des espèces de charrettes ou dans des wagons de train sur de la paille infectée, ils vont avoir des infections. Et le thème récurrent de ces articles, c'était... nous ne sommes ni défendus ni gouvernés. Et il inondait l'Assemblée, les parlementaires de ce genre de choses, un certain nombre de personnes un peu... Parce que c'était de la presse un peu... C'était pas de la presse grand public. Et tous les jours, il se payait le gouvernement. Et au bout d'un moment, on a considéré qu'il ruinait le moral des Français, qu'il fallait interdire, fallait censurer en clair. Donc, il avait décidé, puisqu'il était censureux, de laisser paraître son journal avec des trous, c'est-à-dire avec du blanc. Et il écrivait des articles, il les mettait sous enveloppe et il les envoyait à tous ses abonnés de manière à continuer à pouvoir dire des horreurs sur la façon dont le gouvernement fonctionnait. Et il en change le titre, ça devient L'Homme Enchaîné. Et ça devient L'Homme Enchaîné parce que, voilà, parce qu'il était assez... c'était pas quelqu'un qu'on faisait taire facilement. Et
imaginez quand même, alors je sais que les institutions d'aujourd'hui n'ont plus aucun rapport et que c'est plus le président qui est important que le Premier ministre, et qu'à l'époque c'est le président du Conseil, donc une sorte de super Premier ministre avec un président de la République un peu évanescent, mais Poincaré est président de la République, Clémenceau est président du Conseil, on est en 17-18, comme Poincaré lui sort par les yeux, il lui envoie une lettre en lui disant qu'il le prie de cesser de le déranger pour lui demander des nouvelles de la guerre, parce que ça lui prend son énergie et une partie de son temps de travail. Vous imaginez ça aujourd'hui? Enfin, il y en a qui ont peut-être eu envie dans le temps, mais c'est plus difficile. Il l'appelait, Poincaré, l'homme de non-lonté, oui. L'homme d'inaction. Je lui reproche de ne pas vouloir savoir et de ne pas savoir, vouloir. Vous parlez de la guerre de 14-18. Il est allé dans les tranchées, lui. Et il s'est soucié, comme vous disiez, effectivement, de l'état de ses soldats. À sa demande, ils seront présents lors de la signature du traité de Versailles. Et il a ce geste, hein, lorsqu'il visite des tranchées, un soldat lui remet un bouquet de fleurs. Et ce bouquet de fleurs... Mais il va être enterré avec. C'est-à-dire, contrairement à ce que dit un film récent sur Clémenceau, quand il allait dans les tranchées, il allait vraiment dans les tranchées. Ce n'était pas quelque chose qui était reconstitué en studio. Il était vraiment courageux. Il n'allait pas dans les tranchées. Il allait près des lignes de front. Un peu comme Churchill l'a fait, y compris pendant la guerre de 14. D'ailleurs, il s'entendait bien. L'autre l'appelait cet horrible petit vieillard Churchill parce qu'il le trouvait infect. Mais enfin, c'est un peu le même style de gens. Et il était vraiment sensible. C'est pour ça que c'était un homme. Alors après, on a beau le critiquer. Il a été très mal vu par la gauche quand il a été au pouvoir parce qu'on a considéré que c'était un briseur de grève. Ce qu'il fut d'une certaine manière, mais la situation était un peu plus complexe. Homme de gauche. Voilà. Et aimé par ce qu'on disait les petites gens, parce que quand il est malade, à la fin de sa vie, quand il est très malade, il y a un registre qui est ouvert et il y a des gens très modestes qui viennent. On sait qui est venu, des gens extrêmement modestes qui apportent un petit bouquet de fleurs, Et c'est quelqu'un qui est bien vu par les gens modestes. Vous avez raison, il fait venir les gueules cassées à Versailles, au moment du traité, en considérant que c'est ce qu'on leur doit, c'est ce qu'il leur doit. Et puis, alors qu'est-ce que j'étais en train... Je vais essayer d'atterrir, là. Parce que comme j'ai des idées qui se mettent dans tous les sens quand je parle de Clémenceau... On en était au traité de Versailles et sa proximité avec les... Son attention envers les soldats. Oui, et elle a été permanente et les gens lui ont... Je pense que les gens lui en ont été reconnaissants. On savait qu'il menait pas grand train. D'ailleurs, la courte période où il a été médecin, c'était plutôt un médecin. Alors ça, c'était au début, et c'était notamment autour de la période de la Commune. Il était connu pour médecin des pauvres, étant médecin des pauvres, et il a gardé d'ailleurs des contacts avec ses anciens patients. Alors le bruit court, il n'était pas excellentissime en médecine. Peut-être qu'il s'occupait trop d'autres choses, mais en tout cas, et avec une attention particulière pour le sort qui était fait aux bâtards. Alors, on n'emploierait plus ce terme aujourd'hui parce que c'est pas. Mais en considérant que c'était absolument honteux de mettre de côté des enfants, en se préoccupant aussi des prostituées, en considérant que c'était pas elles qui étaient à blâmer quand les autres étaient défendus, enfin les autres, les utilisateurs, comme on pourrait dire, les asiles d'aliénés aussi, on mettait tous les gens pour s'en débarrasser. Tout ça pour dire qu'il avait une fibre sociale qui, contrairement à ce qu'on a raconté après, parce que il était viscéralement anti-marxiste. Il ne faut pas oublier qu'il y avait eu la révolution russe en 17 et qu'il disait, moi, j'aime pas leur esprit de caserne. Mais justement, vous parliez... quelqu'un qui avait de l'attention pour les autres, je pense, vraiment. Vous parliez de sa position politique. Si aujourd'hui, on devait... on le classerait où, Clémenceau, aujourd'hui? Il serait centriste comme François Bayrou. Non, je ne sais pas. En fait, il a connu quelque chose, une espèce d'évolution qui est assez classique, c'est-à-dire qu'il était radical, mais au sens
radical de l'époque, c'est-à-dire pas radical, pas radsoc, c'est-à-dire pas entre les deux. Et c'était quelqu'un qui était vraiment de gauche, qui avait des idées extrêmement arrêtées. Enfin, de gauche, ça veut dire quoi aussi? C'est très compliqué de parler avec un vocabulaire et des référents de l'époque, disant que c'est quelqu'un qui était contre la colonisation, qui avait été Dreyfusard, qui avait des batailles homériques avec Jean Jaurès à l'Assemblée, parce qu'il considérait qu'il disait qu'on... On reconnaît un discours de socialiste quand on voit que tous les verbes sont au futur. C'est-à-dire du genre on fera, ça sera. Donc, si vous voulez, son idée, c'était moi je suis concret, je suis pragmatique, je vais passer une loi pour éviter le saturnisme chez les enfants, la loi de le temps de travail, et c'était pas la révolution. C'était pas. En plus, c'était un individualiste né. C'est-à-dire tout ce qui était en embrigadement, même chez Jaurès, même chez. Mais il y avait du respect entre les deux. Donc il commence radical, plutôt excité. Il ne faut pas oublier qu'il fait de la, il fait de la prison parce qu'il rend hommage à la révolution de 1948, comme son père avait été emprisonné. Enfin, c'est de la petite prison, ça ne dure pas 10 ans. Ouais, 15 jours. Voilà. Ouais. Mais quand même, c'est là qu'il rencontre Monet aussi, où ils sont des jeunes un peu révoltés. Il ne faut pas oublier qu'il est anti-curé. Ah oui. C'est très laïcard, c'est en sens qu'il ne serait pas François Bayrou aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'il ne serait ni baptisé, ni... Son père aussi non plus, donc c'est, en plus c'est un truc familial. Ni baptisé, ni, je ne sais pas quoi, marié à l'église, ni sacrement. Donc il refuse, il ne rentre même pas dans une église. Pour un enterrement. Il reste dans la voiture ou dans le fiacre, tout en ayant un sens de la transcendance et du... C'est pas un bouffeur de curé... bête et méchant. C'est-à-dire, y compris après 1905 et la loi de séparation de l'Église et de l'État, il se débrouille pour que l'histoire des biens de l'Église, que les choses soient apaisées. Donc, c'est pas quelqu'un de médiocre là-dessus, comme sur rien du tout d'ailleurs. C'est une vision, je suis totalement en extase. C'est quelqu'un qui a le sens du mystère, probablement du mystère de la foi aussi, ou des fois, parce qu'il est allé en Asie, alors il se dit qu'il est bouddhiste. Il fait des recherches quand les théories d'Einstein commencent à être connues. Il s'intéresse à la science, il s'intéresse à la philosophie, il s'intéresse à ce qu'il peut y avoir dans l'espace. Il cherche quelque chose. Mais tout ce qui est religion au sens le plus étroit du terme, ça, il ne veut pas en entendre parler. Il a cette phrase que je ne résiste pas: les curés veulent m'amener à Dieu, ce en quoi ils perdent leur temps. J'attends que Dieu fasse le premier pas. Voilà, mais c'est pour ça qu'il est agréable aussi, c'est parce qu'il a le sens de la formule, sans arrêt. Et il le dit lui-même, il l'écrit, c'est-à-dire qu'il ne peut pas résister à dire une ânerie, à dire une chose comme ça. Et même si c'est que ça va lui retomber sur la figure, ce qui sera le cas, puisque au moment où à la fin de la guerre, quand il est question qu'il soit président de la République, qui à l'époque sont élus par les parlementaires, donc pas au suffrage universel, il se fait assassiner par tous les gens qu'il a lui-même canardés, parce qu'on l'appelait l'Attila, le fléau des gouvernements. C'est-à-dire, non seulement il les faisait tomber en faisant des espèces de regroupements avec d'autres forces politiques, mais il se les payait en pleine séance, donc il était redouté. Il n'était pas tant un bon orateur en parlant seul qu'un bon interrupteur de séance. C'est-à-dire qu'il passait son temps à se lever, à crier et à se foutre de la figure de la personne qui parlait. Et notamment, c'est un de ceux qui m'a fait le plus rire, comme il était très obsédé par la langue française, encore un point de commun avec François Bayrou, Deschanel avait dit « Je vous demande, j'aimerais bien que vous puissiez solutionner ce problème. » Et il s'est élevé en disant « Nous allons nous en occupationner. » Et c'était ça sur du vocabulaire. Mais quand un autre ministre militaire avait dit « Mais vous savez, j'aime beaucoup les ouvriers », et l'autre lui avait dit « Vous les aimez saignants ». Donc si vous voulez, il avait réussi quand même à se mettre mal avec la droite, qui trouvait qu'il était anti-curé, il ne voulait pas de rétablissement des relations avec le Vatican, mal avec la gauche, qu'il considéra comme un mec de droite. Oui, on va dire trop à gauche pour la droite. À droite, il était en gros... Plus toutes les... Enfin, comment dire, il était vraiment intraitable pour faire un bon mot, qui en général n'était pas gratuit. Il était capable de tout. Et il faut se rendre compte,
Parce qu'on dit aujourd'hui, c'est violent, la vie politique. Ouais, enfin, bon, je pense que ça ne l'était plus. Et je ne parle même pas de ce qui a pu se passer en 1936 à l'Assemblée. Mais quand quelqu'un meurt aujourd'hui, normalement, tout le monde dit qu'il est bien. Quand Félix Faure est mort, il a dit en rentrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Ouais, alors après, évidemment, Félix Faure n'a pas voté. Mais quand il disait, et il faisait savoir, Poincaré, s'il vous plaît, je vous en prie, à ma mort, pas de discours de Poincaré, j'aurai l'impression de mourir une deuxième fois. Voilà, si vous accumulez les trucs les comme fonctionnaires, ça... Les fonctionnaires. Messieurs, les fonctionnaires sont priés d'arriver avant de partir de leur bureau. Ou alors, pourquoi faut-il avoir un mari fonctionnaire? Il rentre tôt et il a déjà lu le journal. Bon, si vous avez des amis fonctionnaires, c'est bien casé. En gros, si vous accumulez les choses comme ça... Il y a forcément un moment donné où vous faites des ennemis. Et comme en plus c'était un pré-vote pour la présidence de la République, donc une façon de tâter le terrain, tous ses amis lui ont dit « ça peut passer si on fait le vrai vote ». Il leur a dit « allez, ils ne veulent pas de moi, qui ne veulent pas de moi ?» Une forme de morgue et d'orgueil chic, enfin de quelque chose de... De toute façon, on n'attendait pas de moi de l'objectivité. Peut-être qu'il était insupportable. Mais moi, je le trouve... Assumé. C'est une subjectivité très assumée. C'est pas n'importe qui. Comment résister, je veux dire, attendez, comment si, résister de Gaulle, si De Gaulle était fasciné par Clémenceau et qu'un de ses premiers gestes en rentrant, en revenant, c'était d'aller voir la tombe, d'aller sur la tombe de Clémenceau, si Churchill l'était, si même les Allemands disaient si nous avons perdu, si nous avions eu cet horrible, c'est toujours l'horrible petit vieillard, parce qu'il passait pour une espèce, on aurait gagné. Il y a quand même quelque chose chez lui qui est étonnant, qui est non pas éblouissant, mais qui est quelqu'un qui jusqu'à la mort refuse l'aide de la religion en considérant qu'il a une cohérence, quelqu'un qui se permet d'être contre la peine de mort à une époque où tout le monde est pour, quelqu'un qui défend les Arméniens, qui avec Jaurès signe une tribune contre le génocide, enfin contre, pour défendre les Arméniens, c'est-à-dire à une espèce de pré-notion de ce qui deviendra un devoir ou un droit d'ingérence, mais il dit on ne peut pas laisser ces gens-là se faire massacrer. Quelqu'un qui a un courage physique. Voilà, donc si vous voulez, ce n'est pas n'importe qui. Et des gens comme ça dérangent. Et quand De Gaulle revient, donc il va sur sa tombe, et surtout il y a un superbe discours radiodiffusé à Londres du 11 novembre 41, qui est... Moi j'en ai mis un peu parce que je ne pouvais pas reprendre tout le discours, mais... Vous allez sur Internet, Radio Londres, 11 novembre 41, De Gaulle, où il dit des choses en disant « Mais depuis que l'étranger, l'ennemi a foulé la terre de France, monsieur Clémenceau, vous ne pouvez sûrement pas dormir tranquille. » Bon, et puis il continue. C'est magnifique. Et il lui dit « Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons, nous rétablirons la France. Et ce jour-là, monsieur Clémenceau, vous pourrez enfin dormir en paix. » C'est... voilà. Donc, tout ça est peut-être trop sublime pour être vrai. Peut-être que ce sont des gens qui sortent de la réalité. Peut-être qu'il y a une mythologie, mais comme il y en a aussi pour Henri IV. Mais ces gens-là ne sont pas n'importe qui. Diriez-vous d'ailleurs que, de notre histoire contemporaine, Clémenceau et De Gaulle sont les deux plus grands hommes d'État? Non, je ne peux pas me permettre de dire ça. Ce n'est pas parce que moi, j'aime bien... C'est peut-être quelque chose de romantique et d'esthétique de mon côté. Parce que je pense que si... Non, mais attendez, parce qu'on va aborder les points négatifs. Parce que, on va y aller. Hein, ça, c'est le truc qui va me faire mal au ventre. Mais je l'ai quand même écrit. Non, je pense que De Gaulle ou Clémenceau, si je les avais rencontrés, peut-être n'auraient-ils pas pu me supporter un quart de dixième de seconde. Ils auraient considéré que je me mêlais tout, que les journalistes... Non, mais attendez. Moi, je les admire comme personnages de... Voilà, mais... Peut-être aurait-il dit ce qu'il disait des femmes médecins, que les femmes n'étaient pas faites pour être médecins. Peut-être qu'elles n'étaient pas faites pour être journalistes. Non, parce qu'il avait des amis journalistes femmes. Non, médecin, il considère. Mais c'est parce que sa vision des femmes, qui venait probablement de sa vision de sa mère pour laquelle il avait une absolue passion, raison pour laquelle aussi j'aime beaucoup Clémenceau, parce que les fils qui adorent leur mère, je trouve ça très bien. Et c'est qu'il aimait les femmes féminines. Enfin, il est de son époque, hein. Il était né en 1841. Il aime les femmes féminines, il aime les femmes douces, il aime les femmes jolies, il aime les femmes intelligentes, mais qui ne la ramènent pas trop. Ça, on peut remonter aux femmes savantes pour voir la même chose.
Donc il s'y dit, médecin, c'est un truc dur, mais paradoxalement, il aidera Louise Michel. Exactement. Dont il dit quand même que ça n'incite pas à être féministe. Quand on voit le visage qu'elle a, ça n'incite pas à être féministe, ce qui est quand même pas terrible. Enfin, disons qu'aujourd'hui, il serait fusillé dans le régime actuel où on n'a pas le droit de dire un mot plus que l'autre. Mais il est quand même... Il n'est pas vraiment féministe. Ah non, d'accord. Pas du tout. C'est vraiment le droit des votes de femmes. Alors, droit du vote de femmes, il l'explique pour des raisons idéologiques. C'est qu'il considère que les femmes sont sous l'emprise de leurs confesseurs ou des curés et de l'Église en général, que l'Église fait voter à droite et qu'à partir de là, il n'y a pas d'urgence à donner le droit de vote des femmes. Cela dit, il y a des socialistes à l'époque qui pensent la même chose et qui le votent à l'Assemblée en sachant que ça sera bloqué au Sénat pour pouvoir avoir l'air d'être des gens extrêmement modernes. Mais c'est vrai que la France ne s'est pas illustrée par ça, la priorité qu'elle a donnée au droit des votes des femmes, parce que je crois qu'on l'avait, même en Turquie, enfin pas même, c'est Mustafa Kemal, mais même en Islande, en Norvège, partout, tout le monde les a eu avant. Oui. Nous, on est à une sorte de bouquet. Non, je crois qu'il y a le Portugal après nous et l'Espagne franquiste qui a repoussé. Une zone d'ombre qu'on ne peut pas contourner dans la vie de Clémenceau, c'est son mariage avec Mary Plummer, la mère de ses trois enfants, une Américaine qu'il rencontre parce qu'il part aux États-Unis et ce voyage aux États-Unis l'influencera beaucoup aussi d'un point de vue politique. Comment cet homme-là, pardon pour l'admiration que vous avez pour lui, mais là, franchement, Nathalie Saint-Cric, il a été odieux, abominable avec cette femme. Je le confesse. Alors, il est allé aux États-Unis parce qu'il s'intéressait. Alors, je commence par le positif. Il est allé aux États-Unis parce qu'il s'intéressait vraiment à ce qui se passait ailleurs. Il faut dire que c'est en pleine guerre, à la fin de la guerre de sécession, comme il est allé au Japon, en Inde, et qu'il s'est essayé de se renseigner sur les types de cultures différentes. Et qu'il a eu une partie des choses qui l'ont révolté, notamment les traitements des Noirs. Il était à la fin, enfin l'abolition de l'esclavage avant que ce soit véritablement aboli, et il considérait que c'était absolument honteux, en disant même, je pense que si les rois mages s'étaient présentés aux États-Unis, il y en a un qui serait resté à la frontière. Donc là aussi une vision. Il a une fracture personnelle au début. Il est amoureux d'une jeune femme, très très jeune, enfin jeune, très riche, très chic, qui est une descendante d'industriel dans l'Est, à qui il demande en mariage, qui le jette, comme si on considère que c'est un petit médecin de campagne, un peu nul, des petits propriétaires terriens. Alors ça, c'est ma version aussi. Hein. Donc ma version va être forcément bien. Elle va être forcément qu'il a été tellement vexé qu'après, il se vengera auprès des femmes. Je ne sais pas. En tout cas, il se conduit comme un porc avec femme américaine. Alors, où il y a un mystère que je ne connais pas, parce que ça ne cadre pas avec ça. Il l'épouse, il la laisse en Vendée, avec ses beaux-parents. Ses sœurs, ce qui doit être cauchemar absolu. En plus, vu le château... C'est ça. C'est même pas un château, c'est une espèce de truc où il doit y avoir des chauves-souris partout. Enfin bon. Ouvert aux 80. Il la voit une fois par an, tous les 8 mois, 9 mois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il voit pas un enfant. Fois, parce qu'à chaque coup, on a les enfants de Clémenceau. Elle le supplie de bien vouloir venir à Paris. Parce que, bon, franchement, en plus, elle est américaine, elle ne parle pas français. Elle se retrouve toute seule avec le beau-père qui est un dingue absolu. Un amoureux de Robespierre et de Saint-Just, ça part très mal dans la vie. Il ne la ramène pas tout de suite. Un, parce qu'il dit qu'il a beaucoup de boulot, ce qui est vrai. Oui, et puis que sa place est aux côtés des enfants. Et puis ça, voilà, et qu'il est journaliste le soir et tout. Il dit que sa vraie maîtresse, c'est Marianne, la République. On peut avoir des doutes, même de gros doutes. Il y a quelques échos dans les journaux. Oui, en plus, parce que comme c'est un personnage qui commence à avoir une certaine forme de notoriété, dans les journaux, on a vu Monsieur Clémenceau hier soir à la Comédie Française ou à l'Opéra Comique. Et bien accompagné. Il gagne pas d'argent aussi, mais c'est vrai, parce qu'à l'époque, il n'y a même pas l'indemnité pour quand il est au conseil municipal de Paris. Au début, il n'y en a pas. Et après, il rapatriera sa femme à Paris. Pour ne pas s'en occuper plus ? Non. Et simplement, là, il y a une chose bizarre, c'est que manifestement, sa femme s'occupe avec un des précepteurs des enfants. Les enfants, qui sont un peu étranges aussi, balancent. Leur mère, auprès de leur père. Il l'a fait suivre, et comme il a le bras long, c'est
Ça remonte direct à la préfecture de police. Cette pauvre femme est chopée. Enfin, chopée. En flag. Il rentre dans un appartement où elle joue, peut-être elle joue aux cartes. Je n'ai pas d'éléments précis. Mais je pense que ça ne doit pas être pas plus que ça, ou prendre le thé. Et là, il pique une crise parce qu'il était très orgueilleux, je pense. Et il lui dit en gros qu'elle se barre, qu'il faut qu'elle se barre. Aux États-Unis, il la remet dans un bateau en troisième classe. Et elle est poursuivie, le délit d'adultère. Oui, le délit d'adultère. Hein. Elle a tous les torts pour elle. Et elle vivotera aux États-Unis en faisant des trucs pathétiques, comme des conférences avec comme titre « Ex-femme de Clémenceau ». Ce qui est une drôle d'identité. Et elle reviendra à Paris, ses enfants ne la verront pas, elle mourra toute seule, il n'y aura personne à son enterrement, et elle mourra au milieu de ses chats. Non, c'est horrible. Mmh. Il dira d'ailleurs à ses enfants, je ne me parlais plus, de cette femme. Mais est-ce la vanité blessée? Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne sais pas, parce que c'est vraiment la face cachée, le truc qui ne cadre pas avec le reste, franchement. En plus, c'était pour le divorce, il considérait que les femmes pouvaient avoir une vie libre, alors peut-être les autres et pas la sienne, mais... C'était pas du tout il donnait pas des leçons de morale, il a même écrit et puis il considérait que le mariage c'était la fin du bonheur du couple et de l'amour. Il avait même écrit une pièce de théâtre très jeune en disant que c'était incompatible. À propos de relations de couple, il y a une relation singulière qui s'instaure aussi entre Clémenceau et Marguerite, mais également la famille de Marguerite, puisque Fernand, cet époux universitaire qui voyage beaucoup et qui donne des conférences aux États-Unis, viendra dans la maison de Vendée. Les enfants de Marguerite et Fernand viendront, les parents de Marguerite, les enfants de Clémenceau, c'est très moderne pour le coup. Alors vous allez dire que ça ressemble à un film de Claude Sauté ou d'Élie Jouraki avec les familles recomposées. Faut d'abord voir une chose, c'est que Fernand, le mari de Marguerite, prend le large. Il prend le large pour oublier la mort de sa fille, qui s'est suicidée, donc c'est une chose compliquée. Donc comme en plus c'est l'inventeur de la littérature comparée, qu'il est invité partout, et on le retrouve, ce qui est assez rare pour l'époque, à donner des conférences à Rio, à Helsinki, aux États-Unis, enfin bon, il voyage tout le temps, et il saute, si je puis m'exprimer ainsi, sur les voyages pour s'aérer. Donc elle est souvent toute seule. À côté de ça, Fernand, qui est originaire de Lorraine, vénère Clémenceau. Les enfants de Clémenceau ont 10 ans de plus que Marguerite. Donc ça se fréquente, ça part en cure ensemble, la bagnole de l'homme, tout ce petit monde-là. Les parents de Marguerite ont 20 ans de moins que Clémenceau. Les parents de Marguerite sont contents, et ils le diront à Clémenceau. Ils diront à Clémenceau, on sera, Monsieur le Président, on ne sait pas comment vous remercier, vous nous avez rendu notre fille. Parce qu'il lui a donné l'envie de vivre. Donc la mère de Clémenceau, la mère de Marguerite est un petit faible pour Clémenceau. Le père est en extase devant le père de la Victoire. Et je pense que quand on est dans une famille comme les Baldensperger, qui sont des gens, j'ai connu que les descendants, et quand on dit, et Georges Clémenceau qui va venir déjeuner à midi, vous voyez, c'est plutôt... Alors, effectivement, ça a un côté famille recomposée, mais quand on voit à la fois qui était Clémenceau et que l'histoire entre les deux, entre Marguerite et Georges, autant tout à l'heure, je vous ai dit que c'était pas simplement un truc platonique, c'est pas un vieux monsieur avec son infirmière, mais c'était pas non plus... Vous voyez, il se cache. Il a 82 ans, 85 ans. Voilà. Aussi. Voilà. Donc, ce n'était pas forcément non plus quelque chose de... Oui, je dis ça parce qu'il y a une pièce de théâtre, fort bien d'ailleurs, qui a été faite, qui a été montée autour du triptyque. Excusez-moi, Monet, Clémenceau, Marguerite, où il y a plusieurs scènes. On voit Clémenceau avec une Marguerite à moitié dénudée. Je ne sens pas trop ça. Vous voyez, elle est protestante, elle a 40 ans. Sa fille s'est suicidée. Je crois qu'elle ne se remettra même pas de la mort de Clémenceau. Elle meurt 7 ans après lui. Femme très réservée. Lui, vieux. Donc je pense que c'est pour ça que la famille pouvait cohabiter. Parce que ce n'est pas, en gros, on invite à dîner l'amant de ma mère. Ce n'était pas des trucs comme ça. J'y étais pas. Nathalie Saint-Cricq, qu'est-ce qui reste de Clémenceau aujourd'hui? Je ne dirais pas qu'il revient à la mode, mais de temps à autre, certains, Manuel Valls, qu'est-ce qu'il reste de Clémenceau dans la classe politique aujourd'hui?
dans la classe politique, je pense qu'il reste une référence de volonté, de courage et de quelqu'un capable de tenir la barre en période difficile. C'est-à-dire qu'on a eu probablement une période où on voulait des dirigeants, après la Deuxième Guerre, qui étaient des dirigeants qui nous écoutent, qui fassent des changements, qui fassent des choses. Et je pense que plus récemment, avec une incertitude... Alors là, je suis un peu dans l'arène du poncif, là. Mais dans une période assez incertaine d'un point de vue international, d'un point de vue français, entre l'épidémie, d'ailleurs, la thématique clémenciste, les mots de Clémenceau ont été beaucoup utilisés dans les discours de Macron, c'est-à-dire le fameux discours d'investiture, enfin, ça ne s'appelait pas exactement comme ça, Clémenceau, il dit, mon programme, je fais la guerre politique intérieure, je fais la guerre politique étrangère, je fais la guerre, je fais la guerre, je fais la guerre tout le temps. Macron a utilisé dans cette espèce de répétition en parlant au moment du Covid. Donc je pense que l'idée d'avoir quelqu'un, ça a commencé au moment du terrorisme, c'est-à-dire de faire revenir des référents de gens qui en ont, pour parler vulgairement. C'est-à-dire qu'ils sont là. Des figures tutélaires un peu. Oui, à la fois tutélaires, mais qui rassurent. Mm. C'est le père, la victoire. C'est une figure apaisante, reposante, et puis qui fait les choses pour vous, qui est là pour vous protéger. Donc je pense que cette image d'un dirigeant qui est protecteur est quelque chose qui est plus à la mode que ça ne l'était. Oui, Mitterrand, on l'appelait tonton. Il y a toujours dans la relation, je crois, aux dirigeants quelque chose qui doit rassurer. Voilà. Et je pense simplement qu'on lui rend un peu plus grâce aujourd'hui parce qu'il a quand même été très mal vu pendant 50 ans. Très mal vu. Alors vous me direz qu'il y a toujours des places Clémenceau comme ici. Mais il y a une avenue Foch aussi, alors que c'était son ennemi. Mais quand même, c'était, sans compter les travaux d'historiens classiques sur le traité de Versailles, qui sont aujourd'hui battus en brèche par ceux qui ont regardé dans les détails. C'est-à-dire que, oui, les découpages des pays ont été source de conflits après, mais non, il n'a pas saigné les Allemands. Pas suffisamment. Il passait son temps à essayer de dire que si les Allemands n'honoraient pas, comme la bataille s'était faite chez nous et pas en Allemagne, que si les Allemands n'honoraient pas les dettes de guerre, on ne pouvait pas s'en sortir. Les Américains, qui eux-mêmes nous demandaient de payer nos dettes de guerre, étaient intraitables. Il ira jusqu'à écrire au président des États-Unis, alors qu'il est en retraité, en leur disant « S'il vous plaît, aidez-nous, c'est chez nous qu'il y a ces monuments aux morts, c'est nous qui avons versé notre sang. Vous ne pouvez pas nous demander à ce point-là de l'argent. » Les Anglais étaient assez cool avec les Allemands, déjà à l'époque, parce qu'il y avait des relations commerciales entre les Anglais et les Allemands, et il y avait Keynes au traité de Versailles qui poussait pour que les Allemands ne soient pas « saignés », entre guillemets. Oui, c'est lui qui a dit « on arrête l'armistice, c'est tout de suite », alors que d'autres voulaient aller jusqu'en Allemagne. Donc le côté « c'est Clémenceau qui a fait le traité de Versailles, qui a fait qu'on a eu Hitler », et qui est une espèce de... Quand vous regardez les historiens contemporains qui ont eu accès à tout, c'est pas la vision. Donc c'est pas le salaud. Et au contraire, il y a, et ça c'est présent dans tous les livres des gens avec lesquels il a travaillé, et dans le livre qu'il rédige en 28, il regarde les budgets d'armement de l'Allemagne, il regarde tout ce que font les Allemands, et il voit que les Allemands font systématiquement le contraire des engagements au traité de Versailles. Mmh. C'est-à-dire, ils ont un budget militaire qui est supérieur au nôtre, ils font des pièces d'armement qu'ils n'ont pas le droit de fabriquer, et il le dit sans arrêt, il le dit aux parlementaires, il le dit à Briand, qui n'en a rien à faire. Alors probablement que Clémenceau sous-estime l'épuisement des Français après la guerre, c'est-à-dire le côté... Voilà, on ne va pas parler d'esprit munichois parce qu'on ne peut pas dire des choses pareilles, mais il ne comprend pas parce qu'il est très les boches, je vont. Mais il dit quand même en 29 à son collaborateur, Marthe, il lui dit avant 10 ans, il lui dit avant 10 ans, nous aurons la guerre, Marthe. Donc, c'est quelqu'un à qui on a, à mon avis, qu'on a un peu mis de côté, pas forcément. Traité à sa juste mesure. Enfin, ça, c'est mon point de vue.
Je suis pas objective. Nathalie Saint-Fric, je voudrais qu'on parle de cette amitié singulière qui le lie à Monet. 40 ans d'une amitié, là aussi épistolaire. Clémenceau est admiratif parce qu'il, de l'art de Monet, parce que c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Il l'entoure, il le pousse, ils ont des échanges parfois durs d'ailleurs. Hein. Bah, c'est-à-dire que c'est le seul à qui Monet avait un caractère manifestement absolument épouvantable. Mais qui plaisait à Clémenceau, parce que dans le caractère épouvantable de Monet, il y avait le fait qu'il n'était jamais satisfait de ce qu'il faisait. C'est-à-dire que le côté... C'est pour ça que quand je vous parlais tout à l'heure en disant qu'il était certes athée ou laïque, mais le côté c'est pas ce que je veux mieux, je veux plus. Et le côté la recherche d'une forme d'idéal était très présente chez Monet, et c'est pour ça qu'il passait son temps, outre le fait qu'il buvait, à lacérer ses toiles, et Clémenceau de temps en temps essayait d'en récupérer en lui disant mais... Et il considérait qu'il y avait quelque chose de sacré. Il lui passait tout au début, tout. Et il dit, et les rares fois on a vu Clémenceau pleurer, enfin, c'est, moi je vous dis ce qu'il y a dans les livres de l'époque, hein, puisque tout le monde a fait des mémoires, son cuisinier, son chauffeur, c'est en voyant les cathédrales de Monet, alors pour un laïcard ça fait toujours rire, c'est en allant voir à l'orangerie les nymphéas, et c'est le jour de l'enterrement de Monet, où ils ont vu Clémenceau baisser la tête, ce qui n'était pas son genre, et pleurer vraiment. Et il y avait quelque chose de... Il y a une photo, d'ailleurs. Ouais. Mm. Il y avait quelque chose entre deux. Ils s'envoyaient des lettres qui sont... Je pense que le véritable amour de la vie de Clémenceau, c'est Monet. C'est-à-dire que, comme il était un peu misogyne, il aimait bien les femmes, mais que l'amour qui dépasse tout, c'était Monet. Et d'ailleurs, c'est amusant de voir comment... il n'était nullement homosexuel. Mais il s'envoie des lettres en disant « je vous aime ». Il l'appelle mon vieux débris, mon crustacé, mon vieil hérisson. Mon vieil hérisson, il se parle, surtout Clémenceau. Mais voilà, et puis quand Monet aura un cancer, Clémenceau se souviendra qu'il était médecin et le soignera, mais surtout ne lui dira pas la vérité pour qu'il survive. Et mais il le convaincra de se faire opérer. Et il convaincra de se faire opérer de la cataracte parce que l'autre ne voit plus rien. Peintre, c'est pour un peintre. Mmh. Et quand Monet est sur son lit de mort et qu'il lui dit je vois plus, je ne pourrai pas peindre au printemps quand les fleurs seront revenues à Giverny, Clémenceau lui dit si, en mars, bon, il mourra avant. Mais c'est un couple, c'est un vrai couple. Et quand ils sont tous les deux, manifestement, Marguerite... Alors voilà, elle en est même jalouse d'ailleurs de cette relation qui prend de la place. Oui. Et d'ailleurs, en plus, Clémenceau est en demande aussi, parce que Monet écrit moins souvent, et Clémenceau est en demande en lui disant il passe son temps à l'inviter en Vendée, l'autre n'y viendra qu'une seule fois. Et puis, ils ont leurs habitudes de petits. Ils se font le dimanche midi, ils mangent et ils boivent un peu. Monet, beaucoup. Il essaie de faire arrêter de fumer, Monet, parce que, évidemment, Monet, c'est... je sais pas, il fume sans interruption, mais... Il l'appelle mon vieux hérisson à la barbe jaunie, parce qu'il a de la nicotine sur la barbe blanche, partout. Voilà. Ils ont cette passion du jardinage, c'est très étonnant de lire aussi des ils s'envoient des graines. Ils s'envoient des graines de je ne sais pas quoi, des trucs, je ne sais même pas ce que c'est, ces plantes. Je passais des soirées sur Internet à voir ce que c'était que les noms latins de ça, et des roses, et ils s'envoient des rosiers, ils sauvent des... Hein? Alors, pour terminer notre échange, et Dieu sait si on passerait... vous êtes intarissable. Je n'ai rien à dire, là. un film, bientôt, un téléfilm sera consacré à cette, de votre livre, dans lequel vous serez scénariste, co-scénariste. Oui, on vient de finir de le tourner. C'est un film télé, hein, c'est pas un film. Et c'est très, très fidèle. Très fidèle. Et c'est... peut-être que ça ne plaira pas. Enfin, c'est très à rebours de, comment dire, des idées ou peut-être des choses actuelles qui plaisent aux gens. C'est-à-dire, c'est une histoire de cette époque, d'amour de cette époque, d'idées de cette époque, d'affrontements politiques. C'est pas exactement dans le sens de tout ce qu'on voit aujourd'hui, mais peut-être ça plaira. Sans doute. C'est votre premier livre, Nathalie Saint-Cricq.
qu'est-ce qu'on éprouve la première fois quand un livre signé de vous paraît en librairie et qu'il connaît le succès qu'il connaît? Vous avez travaillé, vous le dites, vous n'êtes pas une historienne, vous avez travaillé en journaliste, fille de journaliste, femme de journaliste, mère de journaliste. Qu'est-ce qu'on éprouve? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous ressentez encore aujourd'hui? Ah, d'abord, j'ai beaucoup aimé faire ça. Pour une simple raison, c'est que j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas. Donc, je trouve ça toujours très bien de se plonger. Mais même dans des détails, même d'aller enquiquiner trois chefs de service en urologie pour savoir si, quand on a été opéré de la prostate en 1912, ce qui peut se passer. Vous voyez, parce que j'allais pas mettre ça dans le livre parce que ça aurait été une trivialité sans nom. Mais moi, je sais. Je trouve ça toujours assez amusant de pouvoir... J'ai lu les livres qu'ont écrit ses filles, je suis allée chercher ce qu'il a lui écrit quand il était... Donc ça m'a... Mais même des choses un peu bêtes, parce que j'aime beaucoup les détails, ce qui est idiot, mais j'ai une passion pour le détail, même le détail idiot. J'ai voulu aller voir, je vous dis, la salle de bain, j'ai voulu voir l'eau de toilette, j'ai voulu savoir où il achetait ses vêtements, j'ai lu des trucs de son arrière-petit-fils. Donc j'ai bien aimé me... Je trouve que c'est très intéressant de se plonger dans des détails qui, pour moi, sont des détails qui veulent dire quelque chose. Parce que je sais que ce n'est pas chic de se pencher sur les détails. Ça peut paraître léger ou pas quelqu'un de profond. Mais je pense que le rapport à la nourriture, le rapport à l'hygiène, la façon dont on jouait... J'ai été enchantée de savoir qu'il aimait danser. Ça dit un peu quelque chose sur comment il était. Son rapport aux animaux, c'est quelqu'un qui a voulu faire envoyer des gerbes de fleurs à son ânesse. Il avait deux ânesses, une qui s'appelait Henriette, comme la femme de Poincaré, et l'autre qui s'appelait Léonie, comme la maîtresse de Gambetta. Et comme elle l'aidait à transporter ses livres en Vendée, en trottant dans le sable, il pensait qu'elles étaient tellement fatiguées qu'il avait dit à son jardinier... on va aller cueillir une gerbe de fleurs, on va lui offrir des fleurs. Le jardinier l'avait regardé en lui disant, ça va pas, là. Des fleurs partout, on n'offre pas des fleurs aux ânes. Mais voilà, ce genre de détails me plaît. Et donc c'est très agréable. Et la seule trouille profonde, pour vous dire la vérité que j'avais, c'est qu'il y a un double réflexe des historiens et des journalistes disant que, un, alors les historiens disant que les journalistes étaient des gens qui n'étaient pas sérieux, et les journalistes disant que les gens qui travaillaient à la télé étaient encore plus des gens pas sérieux. Et quand même, que si on travaillait à la télé, c'est qu'on était des crétins. Donc je me suis dit, ça va pas être facile forcément de passer ce... Et il faut dire quand même que j'ai une femme remarquable, une universitaire qui est spécialiste de Clémenceau, que je suis allée voir avant de commencer en lui disant, est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose à tirer? Elle m'a dit oui, et elle a veillé sur moi, s'appelle Sylvie Brodziak, et quand ça a été fini, et à titre totalement bénévole, je lui ai dit, je vous en supplie, s'il y a une énormité... dites-le moi, on change, parce que je ne peux pas me permettre de me faire choper. Je ne peux pas me permettre, un, d'écrire des trucs faux en date, en lieu et tout. Et comme elle est d'une précision mais incroyable, elle m'a... je sais pas, à un moment donné, je dis, Marguerite, je crois que Clémenceau me prend pour une gourde. Elle me dit, attention, le mot gourde, il ne doit pas être employé. On le voit la première fois qu'il apparaît dans un roman de Proust. C'était pas le mot gourde en l'occurrence, mais je ne me souviens plus quoi. Et puis je mets, il habitait rue des Trois Frères Peignot. Il me dit, non, c'était pas les Trois Frères. Bon, donc je me suis quand même blindée pour pas, au moins, on peut trouver ça nul, on peut ne pas aimer, mais au moins on peut pas dire, enfin, les choses sont vraies. Alors il y a des choses qui sont un petit peu enjolivées, mais il n'y a pas d'énormité. C'est énorme. Ça n'arrive pas si souvent. En tout cas, c'est une magnifique réussite. C'est un plaisir. On sent la jubilation qui a été la vôtre à l'écriture, de plonger dans cette histoire, et la jubilation qui est la nôtre en tant que lecteur. Je ne résisterai pas parce que celle-ci me plaît beaucoup, et de citer dire cette citation célèbre de Clémenceau qui dit, c'est spécial dédicace, la vie m'a appris qu'il y a deux choses dont on peut très bien se passer. Merci. La présidence de la République et la prostate. Je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup Nathalie Saint-Cricq. Merci à vous, merci. Merci. Merci beaucoup.
Merci.